camarades, nous avons vécu des épisodes qui n'honorent ni le Sénégal, qui n'honorent ni la patrie, qui n'honorent ni les citoyens, qui n'honorent ni les Africains. Parce que quand je parle des Africains, le Sénégal est un modèle de démocratie. Et tous les pays africains, et voire même dans le monde entier, ils imitent la matière démocratique et le respect des fondamentaux et la hiérarchie sociale qui tapit le lien et le comment vivre des Sénégalais. Nous avons vécu à l'Assemblée nationale des épreuves, des comportements, des attitudes totalement délictuelles avec une bande, voire même un conglomérat de bacilles, de trichines et de bactéries qui n'ont aucune pudeur, aucun respect ni envers les khalifs généraux, ni envers l'enfant qui vient d'être né. Parce qu'en réalité, on enseigne en éducation civique ce qu'on appelle l'Assemblée nationale et le rôle d'un député et le rôle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est une institution, et c'est la deuxième institution de l'État, qui est sacrée, qui mérite d'être respectée. Mais nous avons vu des personnes immatures, irrévérencieux, irrespectueux, qui agissent avec un manque de vergogne, un manque de pudeur, un manque de respect. À la limite, il me rappelle à la théorie de Lombroso comme des délinquants narcissiques qui ne sont là uniquement pour s'autoflageller, pour régler leur intérêt crypto personnel. C'est-à-dire que donc la noble mission que le député doit représenter le peuple et qu'il doit défendre les intérêts du peuple, eux, ils ne comprennent pas et ils ne savent pas ce qu'on appelle le rôle du député. Sous alibi que les ministres et les directeurs généraux qui ont été investis sur la liste de la coalition Beno Boko Yakar devaient démissionner. Cela prouve que ces gens n'ont aucune connaissance sémantique des textes et règlements qui régissent l'Assemblée nationale et notre Constitution. Chers camarades, chers compatriotes, pour être un député, il faut avoir le mérite de l'être. Un député, c'est une aubaine. Tu es un représentant qui mérite d'incarner le respect, qui mérite d'imposer le respect par le caractère, par les actes. Modèle qu'un représentant de l'État doit avoir. J'ai appris l'information d'un certain Guy Marissagnan, faisant partie de Frappe. Frappe, comme je le dis, c'est la fédération de la pourriture. Frappe, c'est une congrégation oisive composée d'adultères, de mesquins, de roublards, qui ont un seul objectif, c'est de détruire le tissu social et de fragiliser les institutions de notre cher bien-aimé qui est le Sénégal. Guy Maris, mais quand même, Napoléon Bonaparte le disait, le mensonge ne sert à rien car il ne trompe qu'une seule fois dans la vie. Il a trompé une seule fois le Sénégal et je pense que le Sénégal ne sera plus trompé de Guy Marissagnan. Il a dit qu'il représente le peuple. Il est parti à l'Assemblée nationale pour singer. Cela suppose que donc les Sénégalais sont comme ça. Je dis non. Vous les journalistes, les autres qui sont dans les maisons, les citoyens lambda, et nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas éduqués dans ces comportements de singe et de ces singeries. Nous, les Sénégalais, on les connaît, on connaît les Sénégalais par les respects, par les liens, par le bon comportement modèle qui nous unit nous tous et le bon voisinage qui existe entre nous les Sénégalais. Si aujourd'hui, tu vois un certain Barthélémy Diaz qui arrache un micro, Guy Maris confisque l'urne et part avec
parfois, je me dis que, est-ce que ces gens, ils n'ont pas atteint le paroxysme, l'état paroxysmatique de la débilité mentale et qui leur projette dans la démence intellectuelle, qui leur pousse à avoir un comportement déviant et délinquant à la fois. Ces personnes, je leur dis que, qu'ils ont déçu le peuple sénégalais. Et je demande à la nation sénégalaise, tout entière, à l'image de leur mentor Ousmane Sonko, qui a zappé le porte-parole du Khalife général des Mourides, je demanderai à tous les musulmans du Sénégal de vomir ce gars. Parce que Sen Mountaha a dit clairement que Seigne Bass Abdou Khadr, lepp lum wax mako ko wax lo. Si il a l'audace de le zapper pour des intérêts crypto-personnels, na xamné qu'il doit savoir que le Khalife général l'a reçu parce que koku day normal nit. Mais lum def, ce qu'il a fait, il doit savoir que aucun mouride, aucun bon musulman, un adepte, un croyant ne saurait l'accepter.